Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle session. Donc je suis avec l'ami Johan. Salut. Et on va donc traquer le silure, donc clonk teaser, avec des vers canadiens, du calamar. Et on est sur une bonne zone ici là aujourd'hui où j'ai fait quelques gros silures. J'ai fait mon record de 2,25 m ici. Pourquoi pas aujourd'hui faire plus. On va voir ça dans la suite de la vidéo. C'est parti. Allez. Hop, voilà, donc un morceau de calamar, enfin un calamar entier, et puis deux vers canadiens, une belle bouchée, il n'y a plus qu'à espérer qu'ils aient faim. Allez. Bon, je vais clonquer un peu. Alors du coup, clonk. Deux clonks différents. Donc, celui-ci, c'est pour des profondeurs supérieures, on va dire, à 6 mètres. Et celui-ci, pour des profondeurs inférieures à 6 mètres. Après, celui-là peut être aussi utilisé pour des profondeurs plus importantes. Il va quand même faire monter les poissons dans 10 à 12 mètres d'eau, hein, sans problème. Mais il va être moins efficace quand même que celui-là. Donc là, je suis à 9 mètres. Je vais privilégier quand même ce clonk pour commencer. Déjà, c'est pas très gros, mais il y en a un. Voilà, il revient, il remonte un peu. Ouais, c'est des. J'ai l'impression que c'est des petits quand même là. Là, c'est beaucoup du petit. Je vais pas les laisser prendre. Regardez. Regardez tout ce qui monte là, ça c'est des petits. Je vais avancer un peu. Hop, il y en a un qui est dessus. Il y en a même plusieurs. Pour des très gros, il faut dans les 1m20, 1m30, je pense. Hop, on est 1, 2 là. Il y en a un là, c'est pas très gros,
Il y en a deux. Pas très gros, mais hop, ça fera l'affaire pour commencer la session. Appuyez dessus. Hop, et ben il redescend. Bon, et ben je pense que ça va être compliqué aujourd'hui, j'ai l'impression. Même les petits ont l'air d'avoir du mal quand même à prendre. Alors, tu vois quelque chose? Il y a un qui est monté, mais il était pas gros. Mais j'ai que du petit qui monte. Gros pépère. Là, il y a un 2 mètres. Ah, l'enfoiré, il viendra pas dessus. Là, j'ai l'impression que c'est pas le même bruit. Ah, il viendra pas dessus. Faut que tu formes la bulle et tu l'éclates. Sec à la fin, non, tu plantes, ah. Tac, ah. plante et tac. Je sais que tu as arrosé. Ah. Ouais, c'est pas facile, hein. Mais une fois que tu as compris, il faut juste que tu y arrives deux ou trois fois et c'est bon après. Faut pas que tu fasses ça. C'est regarde le mouvement. Je pouc. Tu décomposes rapide. Mais il faut le faire rapide quoi. Voilà, c'est ça mais plus rapide. Bah vu comment t'as clonqué là, ouais. ils vont venir avec toi sur le kayak. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là, regardez ça, le gros pépère qui était là. Un mammouth. Un mammouth. Hop là. Là. Là, il y a un gros client. Les deux ils replongent. Les deux replongent. Là, ça c'était un mammouth celui-là en dessous là. Ça c'est du 2,50 m. Allez, revenez. Difficile à voir, hein. Sur les crawlants, en tout cas sur celui-là, les gros, on va les voir. Allez, viens là. Allez, monte. Allez, monte. Allez, oui, monte un petit peu, oui.
Ah, ils en veulent pas. Alors là, on voit bien la forme du silure. Ça, c'est plus de 2 mètres large. Large, large. Ouais, ça, ça peut prendre ça. C'est pas énorme. Ouais, il y en a deux. Il y en a deux. Ouais, c'est pas très gros. Hein. C'est pas très gros. C'est tout petit même. C'est tout petit. Vraiment petit. Voilà. Petit silure. Eh ben, je voulais battre mon record aujourd'hui. Ben voilà. Là, j'ai mon record du plus petit. C'est super. Allez. Zou. Hop là. Et voilà. Gros bébé d'1m40 à peu près. Hop. Allez, il repart à l'eau. Attends. Pour une photo. Ah oui quand même. Allez, attends. J'ai des gouttes sur mon tronqué là. Là il est plus beau que toi. Il est plus beau que toi. Allez. C'est tout petit. Et il montait direct dessus celui-là. C'est tout petit. C'est chier. Ah, n'empêche, ça s'active. Hein. Il y a moyen de trouver un gros qui prendrait. Pff, ça fait combien ça? Pouah. Ça me bougie mes verres ça. Où?
et bien voilà, fin de session, donc c'est dommage, vous n'avez pas eu la touche du silure. Petit bug caméra, petit bug bonhomme en fait. Je suis désolé, hein, je croyais que ça filmait pas. Et donc du coup j'ai appuyé sur le bouton et ça a éteint la caméra alors qu'elle filmait. Et persuadé que c'était allumé, je vous ai filmé tout le combat. Je vous ai commenté tout ça, mais vous n'aurez rien parce que ça ne filmait pas. Voilà, alors si, vous aurez peut-être dans la vidéo sûrement des petites images que Johan a fait avec son téléphone. En tout cas, je vous ai montré le beau poisson à la fin. Et puis la remise à l'eau. Donc session, malgré tout ça, compliquée. Ce beau poisson là de 1m40 à peu près. C'est pas un poisson énorme, hein, c'est un poisson moyen. Il sauve la session. Il y a eu deux petits silures, mais vraiment rikiki. Voilà, en début de session, pas mal d'activités, ça montait bien. Des gros poissons qui sont montés, malheureusement, voilà, ils n'ont pas pris. Les eaux sont très chaudes encore. Et moi, j'ai pu remarquer quand même qu'ils étaient concentrés dans les fosses. Je pense qu'ils doivent chercher les eaux fraîches dans les fosses au fond. Donc voilà, il va falloir peut-être attendre un petit peu avant de faire de belles sessions silures à l'approche de l'hiver. En tout cas, j'espère que cette session vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao !